toutes les deux ont vraiment dans leur gamme de services un très très bon service du revers. Et on voit très bien Charlotte commencer vraiment à mettre en place ce service-là, qu'elle maîtrise totalement. Donc Charlotte va aller chercher voilà, le coup droit plusieurs fois. C'est l'exemple type en fait d'ouverture qui doit être tranchante, forte, solide. Elle le fait quelques fois, voilà, enchaînement, très bon. Oui, mais ce sont deux armes, hein, vraiment. Ouais. Allez, plein angle. Et tout de suite la réplique d'Audrey Zarif. Et encore, hein, derrière, un très très bon service. Elle se procure une balle de 7. Allez, c'est fait. Une première manche pour Audrey Zarif dans un match qui, pour le moment, reste très équilibré. Hein. Attention à ses premiers placements. Autant l'intention, elle est bonne d'utiliser le coup droit, mais le placement est trop juste, en fait. Pleine raquette revers d'Audrey, qui vraiment affectionne ça. Là, c'est autre chose. Elle est camouflée, regardez, jusqu'au dernier moment. Et hop, j'ouvre la raquette. On est toujours, hein, ces placements très intéressants. Et là, elle est un peu encore dans le dur. Dans le dur sur l'impact, voilà, elle cherche. Allez, fort! Il faut qu'elle ait suffisamment de clairvoyance pour pouvoir faire ça. Allez, c'est bien ce que fait Charlotte Lunz. Enchaînement de coup droit. Bravo. Allez, on dirait qu'elle a haussé son niveau là d'un cran. Oh là là, incroyable. Cet angle qui a été trouvé par Charlotte Lutz. Ah ouais. Voilà, c'est fait. Bravo. Bravo sur ce set, bravo Charlotte. Ouais. Belle réaction de Charlotte. Elle aussi, c'était. Oui, un petit coucou à Rosa. Bon gis. Qui a beaucoup joué en pro. Quel point, bravo. Bravo, magnifique. Ça augure un set très haut niveau. Voilà. Et Audrey, on en met plus, voilà, bravo. Bien gérer le service. Bravo. Super. Très 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 beau point. Quel beau revers. Bien amené par un beau flip. Bravo, bravo. Je pense sur le point suivant. Ah. Et voilà, Charlotte Lutz qui mène 2-7-1 dans ce match très équilibré. Et Charlotte, toujours aussi bien servie. Et ce problème de choix engendre quelquefois les fautes. Les services qui font mal, ouais, Charlotte. Et là, c'est Audrey qui apprime le tempo. Hein. Là, sur ce set, pour l'instant, Audrey, regardez, hop, elle prend vraiment l'initiative du point. Elle joue plus dur derrière le service. Voilà. Elle fait la faute. Bravo. Oh, super. Bravo, belle résistance. Ouais, très bel échange pour terminer ce quatrième set. Un match qui pourrait durer. Et tout de suite au service, Charlotte Lutz. Oh bravo, bravo. Très belle remise.
Okay, ouais, qu'il est beau, bravo, ce point. C'est bravo, le plus beau de cette finale pour le bravo moment. Bravo les filles, ouais. Très très beau. Très beau duel. Elle se rend coup pour coup. Voilà, c'est celle qui tient le plus, qui ne va pas craquer. Bravo. Et un elle point résiste. Qui, ouais, magnifique. Oh. C'est stratégique. On va voir si ça fonctionne. Là aussi, ça va vite. Ouais, bravo. Ah, des petites erreurs, hein, parce que je pense qu'elle essaye de respecter, elle n'y arrive pas. Sur cette table. Oh là là, ah, là, 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 ça passe à côté. Bravo. Elle passe devant Charlotte Lutz, 11-10. Et là, ce coup droit, il est parfait. Elle a tout mis. Elle a mis le placement, elle a mis la qualité d'accroche. Et voilà Audrey. Eh ouais. Audrey qui mène 3-7, enfin qui revient, qui mène 3-7 à 2, oui, pardon. Un coup droit, écarté revers, aller chercher les zones. C'est passé quelque chose, c'est assez incroyable. Ouais. Ouf. Oh, superbe échange et la belle conclusion, ouais, d'Audrey Zarif sur son coup droit. Magnifique, quelle présence d'Audrey en coup droit là. Parce qu'elle était malmenée sur celle-ci, regardez, elle est déséquilibrée, mais non, elle revient et boum. Ah oui, elle y va dans le coup droit, elle insiste sur une zone où on sent qu'Audrey, elle n'est pas à l'aise là. Fixer coup droit, rester dans le coup droit, hop. Ce set n'est pas terminé. Voilà. Pas facile cette balle du soft. Il faut la raccrocher. Oh là là. Et c'est une balle de match. Pour c'est une balle pour de match. Oh là là. Mon Dieu. Oh là là. Oh là 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 là. Elle va s'en vouloir. Oup, 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 oup. Quelle balle! Quel scénario! Oh là 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 là! Quel engagement sur ce point! Là, c'est Charlotte qui a été chercher ce point-là. Ouais, c'est bravo Charlotte elle. Qui est sur ouais. son service et qui peut éventuellement aller chercher. Ouh. Oh là là, elle c'est pensait que fait. C'était fait! Ouais, elle pensait que c'était fait! Fait. Bravo, bravo Audrey. Et voilà, Audrey Zarif, championne de France championne 2023, de France, qui se jette dans les bras de Carole Grundisch. Et là, on a été au bout des émotions. On a tout qui s'exprime. Voilà, les deux camarades. La joie, la tristesse. Ouais. En tout cas, elles nous ont proposé une très très belle finale. Ah ouais, très très belle finale.